מוז'ו עטוז רמב"ם, מלכות ג'ביתת יום טוב, פרק 6-16 ביטח. יום טוב שיכל להיות ערב שבת, אנג'ור דפט קיטום ויידו שבת אין אופן ושנין ביום טוב, יום טוב, יום טוב מה שהוא אוכל למחר בשבת, הסכיבה מוז'ו לאן דומן לשבת, ואי סור זה מדברי סופקים, נתנת הדקשון נוסאז' כדי שלא יבוא לבש של מיום טוב לכל. Afin qu'il ne viennent pas faire cuire le jour de fête pour la semaine. Si déjà pour le Shabbat, il ne peut pas faire cuire, il a fortiori l'école pour un jour de semaine. Les filles, pour cela, si, il a fait un plat depuis la veille de fête, qu'il il va faire cuire du jour de fête pour le Shabbat. C'est autorisé. Quel est ce plat sur lequel il compte? qu'il va consommer le Shabbat, qu'il a préparé de veille de fête, qui va lui permettre de préparer son Shabbat ou un nikra, c'est celui qui est appelé le eruv tafshilin, donc le eruv tafshil. la abed, v'la manikra shmo eruv. Pourquoi est-il appelé un eruv? Que Shem shayruv choses n'barchat zot Shabbat, de la même manière que ce eruv qu'on fait dans les cours, dans les impasses, veille de Shabbat, mishum c'est une reconnaissance, c'est un rappel. On a le droit de porter parce qu'il y a ce héros, parce que c'est une rue qui est comme ci comme ça. Afin que ça ne vienne pas l'esprit, qu'il est autorisé de déplacer quelque chose et de faire sortir d'un domaine à un autre. Car de la même manière aussi, ce plat qui a été préparé, Mishoum, c'est un souvenir, c'est un rappel qui est de chez Loyade Moviah Shivushimutale Fot yom tov pour pas qu'il semble qu'il pense qu'il est autorisé de faire cuire à Yomtov. Tov. quelque chose qu'on ne mangera pas dans la journée même. C'est la raison pourquoi ce plat est appelé eruvet tafchilin. Allahimen, eruvet Pour erouv sa mesure doit être, son volume doit être pas moins qu'un kazaït que ce soit pour une personne ou pour des milliers de personnes donc il faut un casette et on ne fait, doit pas faire ce hérouf avec du pain ou avec des céréales et tout ce qui ressemble et la chez le mais un, un plat qui est euh, qui est cuisiné qui donne par exemple de la viande du poisson victime desbra etc

donc pour ce hiruv c'est même grillé à filouchal ou bien mijoté à filoukavouchumushan donc mariné ou fumé à filoudagimkitani même des petits poissons chez dirchan même quand ils la rincent dans l'eau chaude va d'achat t'en est bichoula l'achila et les rincer dans l'eau chaude tellement qu'ils sont petits les prépare on peut c'est comme les cures pour les manger arriver sur il peut faire dessus le hiruv à la chahévitzer shi hiruv c'est mad souyat shi off et kol machu tachlef il faut que ce héros soit à portée de main, jusqu'à ce qu'il fasse cuire tout ce qu'il a besoin de faire cuire. et donc cuisiner tout ce qu'il aura besoin de cuisiner. Viachem chamin faire chauffer de l'eau autant que nécessaire. et si le héro va être mangé entre-temps, ou va a été perdu en il faut brûler kodem et vacher loyofe avant qu'il fasse cuire. sur le il lui est interdit de cuire, de cuisiner ou la ou faire chauffer la mâche ou hochel tof bilvat seulement ce qu'il consommera le jour de fête lui-même. Il a commencé avec sa pâte ou avec son plat. Et le hérouvre, entre-temps, a été mangé ou s'est terminé. Celui qui pose son hérouve pour que lui puisse en servir ou d'autres. cest lahen, il doit leur faire acquérir De la même manière qu'il fait qu leur donne le mérite, la possibilité d'utiliser, comme il fait pour le hérouvre de Shabbat. Chacun qui peut faire l'acquisition pour les roues de Shabbat, c'est également la même chose pour les roues de Tafshin. Celui qui ne peut pas pour d'autres roues, il ne peut pas pour celui-ci également. Il n'a pas besoin de faire savoir à ceux à qui il a fait acquérir de veille de fête. Mais ils doivent néanmoins savoir que quelqu'un a fait acquérir pour avoir fait ce roue pour réveiller. Il fait le roue pour. Et puis ils compteront dessus, ils pourront faire cuire et cuisiner. Même s'ils si ont pris connaissance de ce héros uniquement durant le jour de fête, c'est néanmoins autorisé. Un homme doit faire un héros sur toute la ville, sur tout ce qui est proche de lui, tout le trou. Au lendemain, le il proclame, il dit "Col Micheloni, à Hérouvetafshin, celui qui n'a pas fait de Hérouvetafshin, yismochal Hérouv, il peut compter, il peut s'appuyer sur mon Hérouv." Aminia Hérouvetafshin Chavlevar, celui qui fait Hérouvetafshin doit faire la bénédiction de Bauchat Hashem Elokim No'malecha Olam, achar ki dechano bemidot avitzivanu al midvate Hérouv. Vomer il dit "Be Hérouv zeh avec ce Hérouv, yutarli il me sera permis de faire le va de cuire, de cuisiner, mi yom tov." Le Yom Tov, le Machar, qui est demain, pour le Shabbat. Vimzi Kabol Acheri, mais s'il si a fait acquérir pour d'autres, Yomar dira Liv, liploni, liploni, à moi, un tel et un tel. Olym Tia, il ou bien dira à la ville tout entière Lève, faute ou le vache, le Yom Tov, le Shabbat, de faire cuire, de cuisiner, de le jour de fête pour le Shabbat. Michelon Yacheru, v'est à Celui qui n'a pas fait son vous n'avez pas établi son héros. Mais d'autres n'ont pas fait pour lui également la manière qu'il est interdit de faire cuire et de cuisiner car Kimchomachal ou à sur la manière sa farine et ses aliments lui sont interdits. sur il est interdit pour celui qui a fait son yirouf les vaches levellées font le échalonniers de faire cuire pour celui qui n'a pas fait de yirouf. Ati jusqu'à ce qu'il le fasse acquérir. Shnim tazem vaches levoffies chez l'eau shari donc il fait cure de ce qui lui appartient, puisqu'il a donné toute l'acquisition. Après, celui qui n'a pas fait deux, il peut lui faire un cadeau. Mais au départ, il doit déjà acquérir tous les ingrédients nécessaires. celui qui n'a pas établi de Il a fait cuire, il a cuisiné pour manger dans la journée. Il avait des invités, qui ne sont pas venus. Le reste, il peut le manger le lendemain. Vim par contre, s'il a rusé, c'est interdit de le manger. Avant, il le Shabbat. La transgression, il a fait cuire. Pour le Shabbat, vous ne lui interditez pas. Pourquoi ils ont été stricts Ils ont interdit sur celui qui, qui, qui ruse, mais pas celui qui fait volontairement. Si tu vas permettre à celui qui ruse, ils vont tous ruser. Et on va oublier ce principe des ruv de avala mais le volontaire, celui qui fait volontairement exprès, c'est pas fréquent. Vimavarayom, aujourd'hui, il l'a transgressé, il va pas transgressé une autre fois. On a deux jours de fête qui tombent, le jeudi, éveil de Shabbat.

de, de, euh, demain, Yom Tov pour le Shabbat, à la Khayyut B'et. bo. un exemple similaire. Les fanaves, ils devant le jeté, quelques calottes Deux paniers de Tevel, c'est-à-dire une ricotte auxquelles on n'avait pas encore prélevé la dîme. Yom Tov rishon, au premier jour de fête. Ima yom dit, si aujourd'hui c'est un jour profane, ça pourra, on pourra prélever la dîme puisqu'on ne prélève pas un jour de Shabbat de fête. Pimayom kodesh et si aujourd'hui c'est ça, en bithvarekrum, je n'ai rien dit. Korah l'a acheté au manicha et il dit dessus, ah nom il l'a laissé sur le machabashin. Il cause Le lendemain, le deuxième jour, il refait la même chose. Pimayom kodesh et si aujourd'hui aujourd il est sans bithvarekrum, je n'ai rien dit. Pimayom chol et si aujourd'hui c'est profane, tièsotruma alzu, ça sera la truma pour cela. Korah l'a acheté au manicha, il la désigne et il la pose. Il a fait au premier jour. et il laisse celle qui vient de désigner Truma comme dit, et Il mange la deuxième. Bah, mais il va revenir dans lequel on parle. Galuyot. Quand il s'agit du deuxième jour de fête en diaspora, Mais quand il s'agit de deux jours de fête de Rosh Hashana, il a pas fait, il a pas laissé son héros au quatrième jour, au mercredi. Je vois une manière qu'il peut pas le faire. Elle a la à seulement. Il peut s'appuyer sur d'autres, il voilà si l'on fait pour lui. Il fait acquérir sa farine à celui qui a fait Il Shabbat, ou bien ça lui est interdit tout simplement de faire cuire ou de cuisiner pour le Shabbat. Il est ainsi. Il ne prélève pas trop à du mercredi. Il ne peut plus prélever jusqu'à la sortie du Shabbat. Il ne Il ne peut plus prélever Shabbat. jusqu'à la sortie du Shabbat. Il ne peut plus Il ne peut plus c'était temps qu'on faisait, on sanctifiait par la vue, c'est-à-dire on voyait la lune, on sanctifiait le jour. En exil, en diaspora, on faisait deux jours qui étaient avec Ça fait que pour s'affranchir du doute, si on avait peut-être mal calculé nos mois. On ne savait pas quel jour a été sanctifié en Eretz Israël. Ah valayom aujourd'hui chez Benares Israël sommes pris à la keshbon Israël on s'appuie sur le calcul au mécanisme à lave et on sanctifie par rapport au calcul et ni chin top shi ni ça fait que la mina l'abuqfad ce deuxième jour de fête n'est pas pour s'affranchir d'un doute puisque aujourd'hui tout est fait avec des calculs mais c'est une coutume à la chatevaf les fils koulfi rachanéom mais pour cela je dis chin shi shi en marivad matne bismanaz Aujourd'hui, on ne peut pas faire un hérouf sous conditions comme on l'a mentionné. Le hérouf est à ni pour manger, ni pour la cour, ni pour les impasses. Et ni fait le mas et prélève la dîme du tevel de une récolte non prélevée avec conditions. Tout doit être fait depuis la veille de fête. Allah la כשם שמצווה לך בית שבת ולינג, דמי מניארקסית של מצווה דנורי לשבת, דו פר פלזיר, כך כל ימים טובים שוסטו ז'ור דפל שנאמר קום לדי לקדוש ה' מכובד, סקי פור השם את דנורי. וכל ימים טובים נאמר בהן נטו לז'ור דו יום טוב ולדיסור מיקרא קודש לטפלי קודש סאם. כבר ביארנו נדג'י אקספיקי הקיבוד והיינו גביל חוד שבת כלל עוד נר. אלו פלזיר אבונן לילדות בשבת. וכן ראוי לאדם, השיא ל... Apt à nommer Louisot parvient à cholmala qu'il ne s'attable pas en veille de fête à partir de l'heure du mincha et plus qu'il arrive Shabbat comme les veilles de Shabbat chez Davar ki vous ça fait partie du respect et de l'honneur qu'on a pour le Yom Tov. Cholame vazez celui qui dénigre les jours de fête qu'il n'unit pas la vodat kochavim c'est comme s'il si s'était donné pour l'idolâtrie. Alach Yudan Chivati me à Pesach les sept jours de Pesach. Ushmati mecha à gilevij jours de soukot ils chargent et mitoum avec ces autres jours de fête, tous les masourim b'espède ils sont interdits à l'éloge funèbre funèbres ainsi qu'au jeûne. Chaiyav hadam, lui-même sa mère v'toivre, un homme doit se réjouir et être bien. Ou vanavish to lui, sa femme, ses fils, ses fils, ou vanav, ses petits enfants, vechol anivim alav, tous ceux qui l'accompagnent. Shenamar comme les dieux et sa mère ta bechagaha, tu te réjouiras dans ta fête v'gomer, etc même si la joie dont le verset parle c'est le sacrifice rémunératoire qui était amené au temple comme on va l'expliquer dans les lois de la Chagia, ce sacrifice des fêtes dans cette joie il était aussi également que de se réjouir lui ses fils c'est les, les habitants de sa maison chacun selon ses capacités

Que soit auquel quand il mange il boit. Chaya vlehachi la guerre l'ayaton vlel'Almanah il doit également de manger à l'étranger à l'orphelin et à la veuve Michah Anima um la lim avec les autres pauvres. Michenol d'alto trazum celui qui ferme les portes de sa cour. Veor chelveshot ou vanavishto mange uniquement lui sa femme et ses fils. Veinomar chilumash pela nimulmar nefesh. Il ne donne pas à manger aux pauvres et ceux qui sont amers. Ein zosimchat mitzvah. Ce n'est pas la joie de la mitzvah, la simchat kriso, uniquement la joie de son estomac. Val elul neyamar et sur eux il les dit. Yfreem kelchem onim lahem leur sacrifice est comme du pain malheureux poloch la vitamine ou tout ce qu'ils seront impurs. les navsham car leur pain et pour leur âme et pour eux-mêmes. Fais simcha quas une joie pareille. Qu'allons-nous la c'est une honte. Pour Chaima comme il dit. Veziréti faire ça faire et Je répondrai de la fiente sur vos visages. Perish chagéhem la fiente de vos fêtes. Allah youte. Avant le a Quel aujourd'hui, moi d'autres brûlent mes Même si manger boire durant les jours de fête c'est une mise à positive le yorchev shote comme cool -hmm. il va pas manger boire toute la journée la kariyadat c'est comme ça qu'il faut le faire la, la bonne pratique Ba boker baba keromatam mshkim kolaham le batek nitot vate midrashot on se lève tôt et on va à la synagogue à la maison d'étude il parle du coran de la torah qui binyanayom on prie on lit dans la torah au sujet de la journée vechazri le bateh on rentre à la maison veochin dimanche veolchin le bate midrashot puis on retourne à la maison d'étude. Korin vishot ha'chatzayim. On lit, on étudie jusqu'à la mi-journée. Ah ha ha Après la mi-journée, mais pas une fillette mincha. On fait l'après l'après-midi. Chosrein evatem. On revient à la maison. Le chol vili shtod pour manger boire. Shayyim le reste de la journée d'alaila jusqu'à la nuit. Ah la ha ha fkishad amor vishote. Quand un homme mange boit sa mère par règle, il se réjouit à la fête. Lo yimshor beyayin vishog de kaludroj. Ne doit pas être attiré par le vin par la plaisanterie ou la légèreté. Ya maridikosh kol mish youssef celui qui ajoute il va ajouter dans la joie dans la manière de se réjouir. Cha shikhout car l'ivresse, vrai c'est la et la et le trop de plaisanterie va beaucoup de plaisanterie et la légèreté n'est pas de la joie. Et là seulement hallelout et c'est de la frivolité de la bêtise. Et sur ça, nous n'avons pas eu l'ordre en jour de fête. Elle a la simcha seulement sur la vraie joie, celle qui a le service du Créateur, puisque tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et enthousiasme et de tout. la de là, tu apprends chez Avoda que le service de Dieu Bessim pourra se faire dans la joie. On ne peut pas servir Dieu ni avec la plaisanterie, ni avec la légèreté, ni de l'ivresse. Le tribunal a l'obligation de placer des policiers durant les fêtes. Le tribunal a l'obligation de placer des policiers durant les fêtes pour qu'ils inspectent les jardins, les vergers ainsi que les fleuves qui qui ne se rassemblent pas pour manger et boire cham la des hommes et des femmes qui viennent à la vera Ainsi, zéro ainsi préviendront d'avancer concernant cette chose khalam tout le peuple pour pas que les hommes et les femmes se mélangent lors des réjouissances filum soient attirés soit par le vin, qu'ils arrivent à la vera הלך רחב בית ימים לג'ור שבין ראשון ושבי של פסח קליאנט חו לבחום ילוי תיאם דה פסח וראשון ושמיני של חג הסוכות נסיק ל־פחום ילוי תיאם דה לפי דה סוכות והן בגולן סיכון נגזיל ארבעה בתוך הבשח וחמישה בתוך החג קליאט חו דירון לפי דה פסח וסנק זור דירון לפי דה סוכות הן הנקראים סיסקי טפלי חולו של מועד לכל המועד ונקרא אינסקראם מועד פייט ואף על פי שהן חייבים בשמחה ואסורים בהספט ו Même si on a l'obligation de s'en réjouir et interdit les loges funèbres ainsi que le jeûne, on peut faire les loges funéraires pour un sage devant. Une fois qu'il est enterré, il n'y a plus d'éloge funèbre. de loges on peut les loges funéraires d'un sage devant. Avalbichem heiluasum bespedetanit, même si sont des jours qui sont normalement interdits pour les loges funéraires ainsi que le jeune. A mais après l'entamant sur il est interdit le, de faire cette horizon funéraire. à on ne pose pas le lit d'un mort dans la rue durant durant la fête. rue pour ne pas habituel les loges funéraires et l'ami Beitol équivaut seulement de sa maison directe à la tombe durant la fête on mais on ne déchire pas on ne prend pas de part au repas de condoléances. ainsi on ne met pas nu son épaule durant la fête la uniquement ses proches et qui ont l'obligation de s'enduire. Puis madame c'était un sage ou un homme Kasher ou il était là au moment où son âme le quittait. là il déchire en jour de fête même si ce n'est pas son proche. on ne déchire pas. Au deuxième jour de fête, même un proche. les femmes durant la fête. Bifne Hamet, devant le mort, Mehanot se lamente, Avalom et Taprot, Vlom Konenot, mais ne doivent pas taper des mains, ni s'affliger. Nikbaramet, le mort est enterré, et Anot, on se lamente Berash et Chodash et Mechanukopurim, par contre, Chodesh, chanukah et Purim, Hamet, devant le mort, Mehanot ou Metaprot, elle tape des mains, s'afflige, Avalom et Konenot, mais elle ne se lamente pas. Hezeu inouy. Qu'est-ce que le Inus lamentait C'est toute commune. Kina, qu'elle est l'affligée. Le reste se lamente. Un homme ne doit pas faire réciter son mort avant la fête 30 jours, que de chez lui avoir, afin que la fête ne vienne pas et qu'il s'attriste. Donc, il pensait par les loges funéraires, etc. Et son cœur est soucieux et douloureux du souvenir de cette douleur. Il devra enlever ce souci de son cœur et attirer son attention vers la joie. Bonne journée à vous.